Mesdames, Messieurs, bienvenue au Flash. C'est avec cette note de tristesse que nous commençons ce journal. L'on a découvert tôt ce matin le corps d'un autre journaliste apparemment assassiné. Les enquêtes nous en diront plus dans les prochains jours. En attendant, on va passer la parole à quelques acteurs de la société civile pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent. Il y a combien de journalistes qui croupissent derrière les barreaux? Combien d'hommes de médias qui sont restés sur le carreau? Il y a plus de sécurité quand le... devient le bourreau, car liberté d'expression rime avec mandat de dépôt. Combien de journalistes qui croupissent derrière les barreaux? Et combien d'hommes de médias qui sont restés sur le carreau? Y'a plus de sécurité quand le devient le bourreau, car liberté d'expression rime avec mandat de dépôt. Cameroun, mon beau pays, la terre qui m'a vu naître. Depuis Mathusalem, c'est l'injustice qui règne à maître. Ce couplet, je l'ai écrit au nom d'un peuple qui saigne. Babylone nous malmène, dans notre sang il se baigne. Cette chanson est une pensée à l'endroit des martyrs, aux journalistes incarcérés, victimes de la torture. Autrefois, mon a connu la barbarie. 2023, rien n'a changé, on redoute encore le pire. Y'a plus de sécurité car la justice a foutu le camp, laissant le peuple sans défense à la merci d'une guerre de clans. Je me demande où est donc passée la liberté d'expression. Si être journaliste c'est le passeport pour la case de prison. Mais c'est quoi ce qui nous attache les mains, qui muselle la presse et fait du peuple son lapin? Mais c'est quoi le projet pour les jeunes de demain? Après c'est qui le prochain? Y'a combien de journalistes qui croupissent derrière les barreaux? Combien d'hommes de médias qui sont restés sur le carreau? Y'a plus de sécurité, devient le bourreau, car liberté d'expression rime avec mandat de dépôt. Combien de journalistes qui croupissent derrière les barreaux? Et combien d'hommes de médias qui sont restés sur le carreau? Y'a plus de sécurité, car le devient le bourreau, car liberté d'expression rime avec mandat de dépôt. C'était le 17 janvier que le micro est tombé. Ils ont assassiné sans le juger. Qui sommes-nous pour lui ôter la vie? Combien sont partis ainsi et combien partiront encore? La liberté d'expression n'existe plus. Le métier des journalistes, ça craint dans mon pays. À Martinez, je lève le carton vert. Chaque jour, c'est beaucoup de questions qu'on se pose. On demande la justice pour toutes les victimes. Why, why all these intimidations? Why must we be walking with all this fear? Drum on send now. Qui croupissent derrière les barreaux? Combien d'hommes de médias qui sont restés sur le carreau? Y'a plus de sécurité quand le devient le bourreau, car liberté d'expression rime avec mandat de dépôt. Combien de citoyens trépassent des suites de tortue? Combien de criminels à corps libre parcourent nos rues? La liberté d'expression a déjà quitté le pays. Le métier de journaliste dans mon bled est un grand risque. Les larmes, je verse, le cœur, ça saigne. La gangrène, elle est profonde, c'est la peur qui nous domine. Le peuple aura sa... Le karma s'abattra. Le karma s'abattra. Yo, Libo, Roman Leo, King Onini. Romaine, le savon femme fabuche là. Sagné Titou, choukap, choupawa. La la poudi, fouche, jogo de chou, choupop te goum. Pendant que ce bam la map go, jogo, pop fougoum les chiches te do. Sim kam na kosekou, min chanfa, ola yo, chankap, ola yo, geba pambe, ola le yo, yam gutu. Jam nam sing mu, zeva, zegwa, kim shang a sanye jichu. Bejang se djega, kushe, bienye, bache kap. Gumbo champa kushe, gumbo champa bienye. La liberté d'expression, bien qu'existante,
joue pas toujours en la faveur de tout le monde. Et ceux qui payent le prix fort sont pour la plupart des hommes et femmes de médias. Car ceux-ci, dans l'exercice de leurs fonctions, subissent tous les jours menaces, interdiction d'exercer, emprisonnement, torture, et les moins chanceux payent pas. Ceci met un thème à cette page d'information. Mesdames, messieurs, merci d'avoir écouté.